take to stay higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. Salut, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Brandon. Salut. Et on va s'affronter sur les épreuves inspirées de la Mini Naruto. Quatre grandes épreuves, un seul vainqueur. Qui de nous deviendra le plus grand des ninjas? Ah oui, j'oubliais. Le perdant va se taper un gage vraiment pourri. Alors le perdant devra aller aborder des gens, au moins une personne, on fait genre qu'on est perdu, et lui demander où se trouve Konoha. On devrait être déguisé comme ça. Ça me suit pendant le monde, parce que je vais gagner, et c'est lui qui va le faire, c'est trop la honte. Konoha, c'est le village de Naruto dans l'animé. Il n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, je crois, hein. On est d'accord, ça n'existe pas. Allez, c'est parti pour la première épreuve. Tout ninja qui se respecte sait lancer des shurikens. C'est même une des premières compétences qu'ils apprennent à l'école. Pour cette première épreuve, on va devoir lancer ces shurikens dans la cible qui se trouve là-bas. On a 10 lancers chacun. Celui qui en met le plus gagne l'épreuve. Je commence ou tu commences à lancer? Vas-y, montre-nous, puisque tu t'es entraîné. Mais attendez, je me permets, je vais vous montrer un truc vite fait. Apparemment, le jeune homme ne s'est pas entraîné. Mais bizarrement, dès qu'on arrive devant la cible, que voit-on? Hop là, un petit trou. Comme c'est bizarre. J'ai juste lâché le shuriken comme ça pour voir s'il se plantait. Mais bien sûr. Oh mince, je suis grave dégoûté qu'il ait raté. Oh, de question. Ah, celui-là, il était pas loin du tout. Oh. On est peut-être un peu trop loin de la cible. Là, je tente. Si moi aussi, j'arrive pas d'aussi loin, on se rapprochera un peu. Et de 1 de raté. La technique du frisbee à éviter. Oh. Non, elle a rebondi. Il y a le trou. Ça rebondit. Est-ce qu'on valide ou pas? Il s'est pas planté. Il y a pas d'impact. Oh, le mytho. Il y a pas d'impact. L'impact, il est un peu plus juste là. Oh, purée. J'avais pas vu. C'est validé, mais c'est un peu douteux. Pas grave, tu vois, c'est pour lui laisser un peu de chance. Mais du coup, je peux rester à cette distance, moi ça me va. On peut se rapprocher de deux pas. D'un pas. Ok. Faut au moins que je mette les trois shurikens dedans. Et je te souhaite que tu rates. Oh là là, mince alors. Oh, il y a carrément une branche qui s'est plantée. Mais ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas sur la cible. Oh. Non, mais c'est sur le carton. Ça compte, c'est tout le carton là. Fa... Dans ce cas-là, il fallait faire une cible sur tout le carton. On peut le compter dans ce cas-là. On le compte. Mais le mien vaut plus de points. Non, ça fait 1-1. C'est comme si tu jouais aux fléchettes et que tu lançais une flèche sur le mur. Mais c'est pas des flèches. Moi, quand même, il s'est bien planté. Ça veut dire que je suis plus efficace que certains. Trois lancers, deux touches. Je pense que vous avez votre maître des shurikens. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Ça c'est lui. Ça c'est lui meilleur. Le choix est vite fait. Je me dis après il reste encore deux très épreuves. C'est pas parce que c'est la première, là c'est juste l'échauffement et après je lui ferai la misère. Excusez-moi, c'est où Konoha? Ah oh, j'ai hâte. Dans le lit. Jamais dans le rond, toujours autour. Non, non. Un peu de sérieux, voyons. Tout ça, c'est lui, là, la ligne, là, en bas. Ça fait 4-3. Je suis en train de mener. Il reste 4 lancers pour Brandon. Et il restera un lancé pour moi. C'est égalé, t'as perdu. Puisque moi, j'ai fait 2 dans le rond. Est-ce que t'es joueur? Non. Vas-y, propose. Tu vois, dans l'animé, t'as Sasuke, il est très fort dans le lancer de shuriken. Il en prend 2. Il tire sur le côté. T'en as un qui ricoche sur l'autre. Et l'autre, il se plante dans la cible. Si j'arrive à faire la même chose, je gagne au moins 5 points. Vas-y. Tu veux que je vise par où? Par là, directement? Surprends-moi. Vise devant. Premier round, c'est pour Brandon. Dada. J'ai eu très peur parce que j'ai jamais lancé le shuriken de ma vie. Vu qu'on m'a annoncé le gage juste avant la vidéo, ça m'a réveillé d'un coup. Oh, ça c'est le plus beau lancer que j'ai jamais eu. Oh purée. Ça, ça compte pour le défi. J'ai gagné. Ça compte rien du tout. T'en sortiras pas comme ça. Brandon mène 1-0. C'est parti pour la deuxième épreuve, les mudras. Ce sont les signes de main que font les ninjas juste avant de lancer une technique. Nous aurons 3 mudras à apprendre. Celui qui les restituera le mieux gagne l'épreuve. C'est parti pour le premier mudra. Oh, en plus, il est archi chiant celui-là. Ah, non, tu vois un peu la vidéo. C'est à vitesse réelle. C'est l'époque où Jiraiya a entraîné Yaido. Oh, oh non. J'ai même pas capté un mouvement. Je l'ai pas, je sais que tu l'as pas et ça m'a suivi. Y'a ça. Le deuxième geste, est-ce que c'est ça? Le troisième geste, attends, je l'avais. Mais du coup, après, il fait ça. Peut-être que je peux le battre. Premier, c'est ça. Deuxième, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Et le dernier, c'est ça. Brandon a gagné.
Ça fait 1-0 pour cette manche. Attends, on prend le temps de réfléchir. C'est Sasuke contre Gaara. Et là, il se met à faire les mudras pour faire sa technique, les 1000 oiseaux. Alors, le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, c'est celui-là. Et après, il termine comme ça, mais la main vers le bas. Tu m'as embobiné, là. C'est celui qui aura le plus de gestes qui gagne, alors. Ok. Attends, je me concentre. À un moment, il est comme ça. Il fait genre un truc comme ça. Ensuite, il fait ça. Ensuite, il fait ça. Et ensuite, il fait ça. En fait, quand il fait ça, c'est quand il fait la transition. C'est pas vraiment des mudras, ça. Si. Mais non. Non, ça compte quand même. Je ne savais pas. Sur un malentendu, on les met dedans. Mais non, je suis désolé. Il a fait trois fois. Dans quel ninjutsu t'as vu quelqu'un qui fait trois fois le même mudra? Ça n'existe pas. Ah, ça fait 1-1. C'est de la triche. C'est pas de la triche. Il en reste un dernier mudra. Je demande là-bas. Il y en a pas. Après une vérification minutieuse de ma part, effectivement, Brandon a raison. Et même en les comptant, je n'ai pas réussi à les reproduire à l'identique. On a égalité sur ce mudra, personne ne marque le point, on passe au suivant. Mais, c'est quand je les ai choisis, je me disais, tu vois, ça allait être faisable en fait. Ta vidéo a fait ça. Déjà, c'est bien. C'est toujours avec Sasuke. Là, il se bat contre son frère et il fait le mudra du Katon, la bouffe de feu suprême. Bonne chance! J'en ai au moins un ou deux. Il fait ça, je crois. Hein. Et puis à la fin, il fait ça. Et puis c'est tout ce que j'ai. Il a ça encore. J'ai encore perdu cette manche, je suis dégoûté. Est-ce que t'es joueur? Non. Je vais te battre sur les deux prochaines épreuves. Tu vas un peu pleurer, je pense. Excusez-moi. Vous savez où est connu. On va appeler la police, voilà ce qui va se passer. Vous inquiétez pas, je vais me rattraper. On passe maintenant à la troisième épreuve. Tout ninja qui se respecte participe à des missions. Il y a des missions qui sont plus ou moins difficiles en fonction de l'expérience du ninja. On est des débutants, on va faire une mission facile qui va être de sauver un chat dans un arbre. Ici, il n'y a pas d'arbre et il n'y a pas de chat. On va sauver ce chat. Le chat sera placé en hauteur. Le but du jeu, ça va être de le sauver le plus rapidement possible en passant par un parcours. En vrai, c'est très parce qu'il sait que je me suis blessé à l'épaule il n'y a pas longtemps et que je suis à peine en train de récupérer. Il a un très gros avantage. J'aimerais juste demander un petit aménagement. Le parcours est simple. On appuie sur le buzzer sans toucher le sol. On passe par les trapèzes, les anneaux et le filet. Malheureusement, Brandon est blessé, on ne peut pas faire cet obstacle, dommage. On remonte sur les lames de rasoir, on prend les anneaux et on va chercher le chat qui est en haut. On redescend et on explose le buzzer. Quel obstacle qui te fait le plus peur? Aucun. 40 secondes, j'aimerais bien faire. T'inquiète pas, j'arrive, je viens te sauver. S'appelle comment? Neko-sama. C'est cardio, hein. J'ai perdu un peu de temps parfois. Ça doit te passer. Je vais galérer sur la transition des anneaux. C'est tout ce qui me fait peur, le reste ça va. J'espère que t'as peur. J'espère, je vais faire moins que 51 secondes. Je vais pas aller accoster les gens. 3, 2, 1. Parti! Waouh! On est allé! Le temps s'écoule, mon ami. Le temps s'écoule. Ah, je suis serein, je suis serein, je suis serein. Allez, au moins terminé. J'ai gagné là. Il a gagné cette manche. Voilà ce que Brandon avait peur. Brandon, tu peux commencer à préparer ta phrase d'accroche pour le gage. C'est parti pour la quatrième épreuve.
Pour celles et ceux qui ont vu l'animé, est-ce que vous vous souvenez de l'épreuve des clochettes? C'est dans les premiers épisodes. Naruto, Sasuke et Sakura doivent subtiliser les clochettes que Kakashi a en sa possession. S'ils y parviennent, un délicieux repas les attend. On va faire pareil mais avec les règles du Chase Tag. Le Chase Tag, c'est le jeu du chat et de la souris version extrême. Dans cette version, le chat doit voler la clochette de la souris en moins de 20 secondes. Et la souris doit tout faire pour la garder. Le gagnant de cette épreuve sera celui qui aura volé le plus de clochettes sur 3 manches. Je viens de m'échauffer un petit peu, en vrai le cardio, je suis explosé. Vous garantis rien, je sais pas que c'est très difficile. Vous voyez la clochette? Faut que j'essaie de la choper. Brandon a gagné la première manche, il a une clochette en sa possession, il reste deux manches, c'est trop galère. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fais le malin une fois, tu vas pas faire le malin deux fois. Tu peux faire le malin deux fois, mais pas trois fois, tu vois. Tu peux essayer de faire le malin six fois, mais pas sept fois quand même. Moi je suis court, je dois toujours regarder où je suis. C'est pour ça en fait à la fois tu me regardais plus et du coup j'ai profité de ça pour arriver là où je t'attendais pas. Vous voyez comment on est fair play? C'est parce qu'on sait qu'on va gagner encore. J'ai pas réussi à lui choper la clochette, mais je l'ai touché. Et si c'était les règles du Chase Tag, j'aurais gagné. Cette fois, ça va être à moi de défendre la clochette, go. J'ai réussi à lui échapper pour la première fois. J'aurais pas dû lui donner de conseils. Il les a trop bien appliqués. Maintenant ça devient serré. Il suffit qu'il gagne une fois pour qu'on égalise. C'est parti pour la dernière manche. C'est là où tout va se jouer. Ça va pas se terminer comme ça. Vous allez voir. Ça va péter. C'est dégueulasse. Oh putain. C'est dégueulasse de faire ça. Ah, c'est touché là, j'ai gagné. Je m'en bats les couilles. J'ai même pas réussi à prendre sa clochette, il a un peu triché. Oh, les grands mots, il a un peu triché. Si je montais et que j'essayais de te prendre la clochette, c'était un peu dangereux. Ça veut dire qu'on va recommencer la manche? Non. Si. Vas-y, je lui accorde une fleur, ce serait dommage que ça se termine comme ça sur sa vidéo, sur sa propre chaîne. Pas réussi à attraper sa clochette. Est-ce que tu es joueur? Brandon, est-ce que tu es joueur? Non, Brandon n'est pas joueur. Brandon veut gagner et ne pas s'afficher aujourd'hui. T'as envie de m'attraper parce que tu veux, que toi, tu sais que tu peux m'attraper. Alors que tout à l'heure, je t'ai échappé. Si je lui échappe, je gagne. Non, je refuse. Si j'arrive à t'attraper, je gagne encore mieux. Et si j'arrive pas à t'attraper, je gagne tout court. J'accepte ma défaite. Pour le beau jeu, on va faire une dernière. C'est moi qui va être la souris cette fois-ci. Il veut absolument être le chat pour regagner la confiance en lui parce que je l'ai un petit peu baladé. On va dire, j'ai mené la danse. Il parle beaucoup trop. C'est incroyable. Vous allez voir, je vais l'attraper sa clochette. C'est pas parce qu'il tombe par terre qu'on va s'arrêter de prendre la clochette. On prend la clochette et après on vérifie s'il va bien. Bravo Brandon, tu as gagné. Je vais devoir m'y coller pour le gage. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aller faire mon gage. Merci beaucoup à Blast de nous avoir accueillis pour qu'on puisse filmer. Blast, caressez-moi. Venez chez Blast. Merci à toi Brandon. Il est aussi sur les réseaux, alors n'hésitez pas à aller le follow. Je vous mets tous ces liens dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour de prochains défis. Je semble perdu. On m'a dit que c'était ici. Eh, ça compte pas. Je suis dans la combine, ça marche pas. Je suis perdu. Ça se voit. Ouais, je cherche Konoha. Tu cherches Konoha? Ouais. Emmène-moi. Est-ce que vous connaissez un peu le coin ou pas? Non, pas du tout. Je recherche Konoha. Pas du tout. Non? Excuse-moi, je suis perdu. Enfin, je cherche un lieu. Ici, on m'a dit que c'était là. Je suis à la recherche de Konoha. De quoi? Konoha. Konoha? Ouais. C'est loin, hein, Konoha. Ah. C'est pas du tout ici. Hein. C'est où? Là-bas, là. Là-bas. Tu vas au fond, tu tournes à gauche. Après, c'est longue ligne droite et tu vas trouver. Ok, merci. De rien, au revoir.